Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Dieu, je vous offre ce chapelet en l'honneur des sept principales douleurs de Marie, pour votre plus grande gloire, pour ma conversion et celle de tous les hommes. À votre Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre salut, et notre unique voie pour venir à vous, en union avec le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, alors que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Dans cette contrition, je veux vivre et mourir. Amen. Quand les jours de la purification de Marie furent accomplis, selon la loi de Moïse, ils le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon qu'il est prescrit dans la loi du Seigneur. Tout enfant mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice, selon qu'il est prescrit dans la loi du Seigneur, deux tourterelles ou deux petits de colombes. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Et cet homme était juste et craignant Dieu, et il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était en lui. Et il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit de Dieu. Et comme les parents de l'enfant Jésus l'apportaient, afin d'accomplir pour lui ce que la loi ordonnait, il le prit entre ses bras et bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, vous laisserez votre serviteur s'en aller en paix, selon votre parole, puisque mes yeux ont vu le salut qui vient de vous, que vous avez préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, votre peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Et Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant est établi pour la ruine et pour la résurrection d'un grand nombre en Israël, et comme un signe qui excitera la contradiction, et à vous-même un glaive vous percera l'âme afin que les pensées de cœurs nombreux soient dévoilées. » Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton thank you.
Alors, Hérode, ayant appelé secrètement les mages, s'informa d'eux avec soin du temps où l'étoile leur était apparue. Puis, les envoyant à Bethléem, il dit « Allez, informez-vous avec soin de l'enfant, et lorsque vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que moi aussi j'aille l'adorer. » Lorsqu'ils eurent entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'à ce que, arrivée au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. Or, en voyant l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Et entrant dans la maison, ils trouvèrent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils l'adorèrent. Puis ayant ouvert leur trésor, ils lui offrirent pour présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et ayant reçu en songe l'avertissement de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils revinrent par un autre chemin dans leur pays. Lorsqu'ils furent partis, voici qu'un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, disant « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car il arrivera qu'Hérode cherchera l'enfant pour le faire mourir. » Joseph s'étant levé, prit l'enfant et sa mère durant la nuit et se retira en Égypte. Et il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète en ces termes « J'ai rappelé mon fils d'Égypte. » Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, entra dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants qui étaient à Bethléem et dans tous ses environs, depuis l'âge de 2 ans et au-dessous, selon le temps dont ils s'étaient enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par le prophète Jérémie en ces termes. Une voix a été entendue à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel pleurant ses enfants, et elle n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous
Cependant, l'enfant croissait et se fortifiait rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était en lui. Ses parents allaient tous les ans à Jérusalem, au jour solennel de la Pâque. Et lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils montèrent à Jérusalem selon la coutume de la fête. Puis, les jours de la fête étant passés, lorsqu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçurent pas. Et, pensant qu'il était avec ceux de leur compagnie, ils marchèrent durant un jour et ils le cherchaient parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en le cherchant. Et il arriva qu'après 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient étaient ravis de sa sagesse et de ses réponses. En le voyant, ils furent étonnés. Et sa mère lui dit, « Mon fils, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Voici que ton père et moi, nous te cherchions tout affligés. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je sois aux affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Et il descendit avec eux et vint à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère conservait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse et en âge et en grâce devant Dieu et devant les hommes.
Alors Pilate ordonna que ce qu'ils demandaient fût exécuté. Il leur délivra celui qu'ils réclamaient, qui avait été mis en prison pour meurtre et sédition, et il livra Jésus à leur volonté. Et comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix, la lui faisant porter derrière Jésus. Or il était suivi d'une grande foule de peuples et de femmes qui se frappaient la poitrine et qui se lamentaient sur lui. Mais Jésus, se retournant vers elle, dit « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Car voici qu'il viendra des jours où l'on dira « Heureuses les stériles et les entrailles qui n'ont pas d'enfants et les mamelles qui n'ont point allaité. » Alors ils se mettront à dire aux montagnes « Tombez sur nous » et aux collines « Couvrez-nous ». Car s'ils traitent ainsi le bois vert, que fera-t-on au bois sec? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Cependant, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas et Marie-Madeleine. Ayant donc vu sa mère et auprès d'elle le disciple qui l'aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voilà votre fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et à partir de cette heure, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, sachant que tout était accompli, afin que l'Écriture fût accomplie, dit, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et la fixant à un rameau d'hysope, l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et inclinant la tête, il rendit l'esprit. Donne-nous aujourd'hui notre pain.
Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate qu'il lui permît de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était venu auprès de Jésus pendant la nuit, vint aussi, apportant environ 100 livres d'une composition de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de linceul, avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Thank you.
y avait là aussi à quelque distance des femmes nombreuses qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles étaient Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Lorsque le soir fut venu, il vint un homme riche d'Arimathie, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Cet homme alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Pilate ordonna qu'on rendît le corps, et ayant pris le corps, Joseph l'enveloppa d'un linceul blanc, et le déposa dans son sépulcre neuf, qu'il avait fait tailler dans le roc, puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre, et il s'en alla. Or Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Offense, comme nous parlons aux
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ceux qui nous ont offensés.
Cœur douloureux et immaculé de Marie, prie pour nous. Cœur douloureux et immaculé de Marie, prie pour nous. Cœur douloureux et immaculé de Marie, prie pour nous.